Anne, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Je suis mort, je suis fatiguée. Hier, j'ai fait le poste, je vous avais dit qu'on allait causer un peu. Comme il y a longtemps, tout ça. Je suis là. Avant de dormir, au moins, on va parler. Je vais répondre aux questions. Je vais lire ici. Voilà. Et là, je suis connectée aussi. Je vais lire ici en commentaire. Voici le post. Je vais lire les commentaires et puis je vais répondre. J'espère que vous allez bien, tout se passe bien. Joël Dibo, je t'aime aussi. Amadou, merci, c'est gentil. Excusez-moi pour le bruit. Oh. Je viens de recevoir Monsieur Toffi. Il s'appelle le Toffilogang ou bien le Toffilog. Un truc comme ça. Il est venu me voir, il m'a remis des toffis. Ils vont les toffis dans les bus à Abidjan là. Il vient de me remettre des toffis, ma voix. C'est Madou. Il vient de commencer, il a fini deux paquets. Il m'a laissé ses contacts ici. Ce n'est pas les toffis que vous voyez d'habitude, les vrais, vrais toffis. Là, pour tous ceux qui veulent toffis là, il y a le 01 58 45 76. Ou le 58 11 66 91. Le vrai Toffi, il livre à domicile. Il est venu me livrer pour moi. C'est mal en jail la nuit. Donc je commence. C'est une parenthèse. Regardez. Bon. Déjà, je tombe sur mon nounou. Déjà, je tombe sur Assez Akissi Sabine qui dit: moi, tu as touché mon cœur. Je t'apprécie énormément. Tu es naturelle, très belle, très sexy. Ça me plaît. On a le même rire. Félicitations pour ton boulot. Je serai toujours là pour toi. Ça fait plaisir de lire ce genre de commentaires. Merci beaucoup, c'est gentil. Je t'aime aussi assez. Il y a mes filles Inès de Apia qui dit: moi, je veux te voir faire un joli bébé comme toi pendant que tu es encore jeune. Que Dieu t'accorde cette grâce. Mes filles Inès de Apia. Amen, je reçois. Tant que le bébé vient, c'est qu'il est venu. Chantal, qui? Et ça, hein? Elle dit: je veux te voir, je suis au Burkina Faso. Je viens pour les vacances à Abidjan, où je peux te trouver. Chantal, si tu veux me voir une fois à Abidjan, il faut appeler le 07 48 89 49. Voilà, tu appelles le 07 48 89 49. Voilà, c'est mon manager, il va organiser la rencontre, il n'y a pas de problème. Tant que je suis à Abidjan, je pense que tout est possible. Il y a Florence Béni Mousseau qui dit: moi, je t'aime énormément. Tu es naturelle, très belle. Je t'admire beaucoup, sincèrement. Mais sur la 3, s'il te plaît, revois ce côté. Sinon, tu es unique en ton genre. Franchement, unique, je t'aime beaucoup pour ton travail. Bon, elle m'a dit de revoir mon côté. Elle n'a pas dit quel côté. De la 3, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois changer? Il y a Paul Yao qui m'a dit: pour la première fois, je t'ai vu ému. Soukaina, merci. Dis, qu'est-ce que tu retiens de cette entrevue avec elle? Ce que je retiens de la visite de Soukaina à la 3, c'est que c'est une fille très douce. Voilà, elle est très douce et puis sa douceur nous a contaminés là-bas à la 3. J'ai été surprise de voir autant d'émotions. C'était bizarre, tu sais. C'était bizarre. Elle est très gentille, puis très, très douce, comme je le dis, puis très fragile. Sur le plateau, même elle tremblait à peine, elle pouvait parler. Voilà, c'est ce que je retiens d'elle, c'est que c'est une belle personne.
Voilà, on peut faire des erreurs ou bien on peut déraper, mais ça ne fait pas de nous de mauvaises personnes. Donc, moi, je pense que c'est une bonne personne. C'est ce que je retiens de Soukeina. Il y a Afia Clémence de Kouakou qui dit: moi, je t'aime, oh, ma haine, love you depuis la ville de Daloa. Bonne chance dans ta carrière. Merci beaucoup, Afia. Il y a Stéphie Héritier qui dit: quand tu es habillée comme ça, c'est joli, ça me plaît bien. Mais souvent, j'ai l'impression que tu exposes trop ton corps. Et en tant que femme, tu présentes nos moments. Et voyant ton corps, c'est comme si on a vu pour nos mères. Donc souvent, habille-toi comme ça, c'est propre. Tu es une femme responsable, tu dois savoir faire respecter ton corps. Merci et bonne chance, Eunice. Stéphie, merci pour ton commentaire. Je me dis que si tu as pris le temps d'écrire tout ça, c'est parce que tu as un brin de considération pour moi. Et par rapport à ça, moi, je veux te répondre ce soir pour te dire que c'est pas que je veux me mettre nue et tout ça. Ça arrive souvent qu'une femme décide de mettre une mini-jupe, une mini-robe, voilà, de partir à la plage. Souvent, quand on va à la plage, les gens disent: non, tu peux garder ce genre de photos-là pour toi. Mais souvent, on a envie de partager ce qu'on fait avec tout le monde. On a envie que les gens s'intéressent à nous. C'est humain. C'est humain. Pas que je veux me dénuder, mais ça m'arrive de vouloir porter des mini-jupes. C'est de mon âge. Donc, ça me plaît. Je me sens bien dedans. Pas que j'ai l'intention de choquer d'autres personnes. Tout ça, ça n'a rien à voir. Donc, ce que je peux te dire, c'est que ça peut arriver que je porte des mini-jupes. Donc, je sais pas, mais faut essayer de faire avec souvent. Je fais pas, j'ai pas fait ça toujours, mais ça peut arriver. Voilà. Et comme vous êtes un peu ma famille, parce que si vous me suivez ici, forcément, vous allez voir ça, ça fait partie de moi. Donc, essayez un peu de m'accepter un peu sur ce petit côté-là. Voilà. Il y a une qui dit, il y a Grande Dame Ouattara qui dit: moi, je n'ai pas de questions à te poser, mais plutôt des reproches. J'aime très bien ce que tu fais, tu es vraiment superbe, talentueuse, mais as-tu, tu te fais trop d'ennemis parce que tu ne mesures pas l'ampleur de tes propos sur la nouvelle émission que tu animes sur la 3. Sinon, prends soin de toi. Grande Dame Ouattara, non, c'est pas que je ne mesure pas mes propos, je suis au travail. Voilà, ce que le travail demande de faire, je le fais. Dans tout ce qu'on fait, on joue souvent des rôles. Voilà, c'est mon rôle d'être sur le plateau pour amuser la galerie. C'est mon rôle de booster un peu l'invité. Voilà, chahuter un peu l'invité pour que l'invité sorte un peu de lui-même. Voilà, tout ça, c'est le jeu, c'est la magie. Sinon, ça n'a rien de personnel. Voilà. Il y a Ami des Diallo qui dit: Eunice, je t'aime bien, tu es très belle et très intelligente, j'aime beaucoup ton style d'humour. Mais sur la 3, sur l'histoire de Carmen Sama, j'ai eu l'impression que tu personnalisais le débat. Maintenant, ma question est la suivante: aimais-tu Arafat d'une amitié sincère ou d'un amour réel? J'aimais Arafat d'une amitié réelle parce que c'est ce que je lui ai proposé. Je lui ai proposé mon amitié, je lui ai proposé d'être une personne sur laquelle il pouvait compter dans n'importe quel problème qu'il pouvait traverser. C'est ce que moi je lui ai proposé et c'est ce que j'étais pour lui. Je pouvais être son joker, c'est-à-dire même s'il n'y a pas de recours, mon chien, venez, c'est là au cas où. Voilà, c'était ce que j'étais pour lui. Ça n'a rien à voir avec on va sortir ensemble et tout ça. Ce n'était pas arrivé là-bas. On n'était pas à ce niveau. On ne pensait pas. En tout cas, moi, je ne pensais pas à ça. Par rapport à mon intervention sur Carmen, moi, je voulais te répondre à Amidé Diallo que ce n'est pas parce que vous pensez qu'une personne est bien que tout le monde doit penser qu'une personne est bien. C'est-à-dire que vous pouvez avoir vos avis. Ah, j'aime cette telle personne. D'autres personnes peuvent dire: bon, je n'aime pas cette personne. En fait, moi, je voulais que
chacun, là, il faut qu'on essaie de s'accepter. Accepte l'idée de l'autre pour que l'autre aussi puisse accepter ton idée. Je ne vous empêche pas d'aimer Carmen, je ne vous empêche pas de l'apprécier, tout ce qu'elle fait. Mais là, moi, je suis au travail et je fais ce que mon travail me demande. Il fallait faire parler mon Tina Glamour et j'ai employé les moyens qu'il fallait pour qu'elle puisse parler. Et Dieu merci, ça s'est bien passé sur le plateau. Je n'ai pas eu d'embrouille avec elle. Voilà, ce n'est pas que c'est vraiment trop personnel, même si j'ai mon avis personnel vis-à-vis de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas, voilà, ce n'est pas ce que vous pensez. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a rien. Parce que même avant Arafat, pendant, après Arafat, voilà, j'ai jamais oui, quoi. Donc ça n'a rien à voir, c'est pas de la jalousie, rien du tout. Il y a Richmond Kwame qui dit: on a prié pour toi, maintenant que tu as eu travail, tu nous jettes. C'est pas ce qu'on s'était promis. Je ne vous jette pas, c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute, je fais des efforts pour répondre aux commentaires quand je peux. Mais quand les messages, quand les commentaires sont trop, souvent tu sais pas où tu as commencé, où tu as terminé. Donc même là, souvent la paresse te prend, tu abandonnes. Ça arrive. C'est comme quand tu as faim. Tu dis: j'ai faim. Maintenant, quand même, le bougie devant toi, là, tu manges petit, tu laisses le reste. C'est un peu ça. Voilà. Maintenant, il y a Dada Chou Ndiaye qui dit: moi, le conseil que je peux te donner, bébé, sois polyvalente. Tu peux suivre une formation, avoir un diplôme au moins, élargir tes horizons, en fait. Ne reste pas juste dans cette situation humoriste et d'animatrice de TV. Tu es jeune, il te reste beaucoup à faire et garde les pieds sur terre. Ne jamais oublier d'où tu viens et tout ce que tu as bavé pour en arriver là. Ne jamais te reposer sur tes lauriers. Fais attention à tes actes et propos. Je te demande pas d'être parfaite, mais irréprochable. Love you, baby. Dada Chou Ndiaye, merci beaucoup pour ce commentaire. Ça fait plaisir. Voilà. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. En tout cas, je sais d'où je viens. Où je vais là, il sait pas trop, parce que moi même si c'est arrivé dans une moule là, il sait pas comment. C'est pourquoi à chaque phrase que je poste, je mets tout, je comprends pas. C'est la grâce de Dieu. Et puis je veux bien suivre où Dieu veut m'envoyer. Il y a Guiri Deborah qui dit: Eunice, moi je t'aime depuis tes vidéos, mais pas trop ta manière de faire sur la 3. De plus, tu n'as plus de temps pour nous informer, papato, que nous sommes. Guiri Deborah, ça c'est la méchanceté. Voilà, et bien là, ça c'est la méchanceté. Comment ça? Donc toi, tu veux même pas que je fasse une autre activité, d'être seulement sur les réseaux, en train de faire des vidéos seulement. À part faire des vidéos là, il faut que je me cherche, il faut que je travaille aussi à côté, pouvoir m'en sortir. Mais c'est pas que dans les vidéos que je vais pouvoir gagner quelque chose à manger, tu vois. Donc quand c'est comme ça, j'essaie de me développer. C'est vrai que je fais de moins en moins de vidéos, mais ça veut pas dire que je ne vais plus faire de vidéos. Je vais faire des vidéos, voilà. Mais ça ne va pas venir spontanément comme avant. Tout le temps, je faisais des vidéos chaque jour. C'est pas sûr que je puisse faire ça, mais je serai toujours dans le temps pour vous satisfaire. Donc, je vous demande pardon. Encouragez-moi aussi quand je veux prendre une autre route. Voilà, c'est pour mon bien. Donc, s'il vous plaît, j'ai besoin de votre soutien aussi. Yaramato Sumanagado qui dit: es-tu heureuse dans ce que tu fais? Penses-tu avoir un bon avenir dedans? Est-ce que tu continues tes études en parallèle? Penses-tu construire un bon avenir pour toi et tes futurs enfants, comme tes parents l'ont fait pour toi? Car je t'ai entendu dire que tu es un enfant privilégié et que tu remercies tes parents pour ça. Crois-tu que tes enfants pourront dire cela un jour de toi? Sinon, sois heureuse et pense que... Et je pense que tu te fais trop d'ennemis inutilement. Essaye d'éviter cela au maximum. Ok. Je suis heureuse dans ce que je fais. J'adore l'humour. J'adore faire des vidéos. Les vidéos, je ne fais pas les vidéos juste pour me débarrasser. Quand je fais des vidéos, j'aime. J'aime m'asseoir, prendre mon portable, parler comme ça. J'aime faire les vidéos. C'est une passion. C'est avec amour que je fais tout ça. C'est pas non, je suis venu chercher de l'argent, je suis venu faire. Non, j'aime. C'est. Vous pouvez pas comprendre. Il faut vivre ça. Il faut vivre ça. J'aime papatouiller et puis faire comme ça, m'asseoir, puis dire. Puis vous m'écoutez, ça me plaît. Ça me passionne. Et à côté de ça, tu as demandé pour mes études. Oui, je continue les études en parallèle.
Voilà. Quand je vais postuler pour un poste et tout ça, vous allez savoir, ça vient. Actuellement, je suis beaucoup submergée. Et je compte faire des enfants. Voilà. Je compte faire des enfants. Je suis une femme, hein, je ne suis pas stérile. Et puis, comme tu as dit, je pense que mes enfants seront fiers de moi. Voilà. Parce que leur maman se bat. Tu n'as pourquoi faire enfant, hein? Il dit leur maman. Ils seront fiers de moi parce que je suis une femme correcte. Donc, voilà. Et quand je dis que je suis un enfant privilégié, je ne parle pas de mes parents, je parle de Dieu. Voilà. Pas de mes parents qui m'ont mise au monde, je parle de Dieu directement. Je veux savoir si tu es avec, et pardon, faveur de Dieu. Je veux savoir si tu es avec quelqu'un et deux, je t'aime bien, mais tu portes un peu trop de choses ou à quand le mariage, je veux être là dès que Dieu te garde, bisous, bisous. Si j'ai quelqu'un dans ma vie, je suis une femme célibataire. Actuellement, je suis pas en couple, je ne suis pas en couple, je n'ai pas d'enfant. Je travaille, voilà. Voilà, je ne suis pas en couple. À quand le mariage? Ah, le mariage, c'est pas la course, hein, si ça vient que je pense que j'aime la personne qui me demande en mariage, je me marie. Si je n'aime pas, je ne me marie pas. Voilà, ce n'est pas la course. Eh, c'est sorti où? Il y a commentaire. Ce n'est pas la course. Donc si ça vient que j'aime la personne, il n'y a pas de problème. Je suis dedans. Oh, ça y est. Ok, on continue. Eunice, je t'aime bien. Ah non, elle a lu ça. Eunice, moi, oui, ça je connais aussi. J'ai déjà lu ça aussi. Je veux savoir si tu avais vu, j'ai déjà lu. Diamant noir. Inès Kouakou qui dit Diamant noir, que puis-je dire si ce n'est de persévérer dans ce que tu fais, dans ce que tu aimes? Car le simple fait de faire rire quelqu'un est déjà une bénédiction de plus pour toi, ma grande. Ma tata, j'aimerais pouvoir te rencontrer un jour. Inès Kouakou, moi aussi, je serais très heureuse de te rencontrer un jour dans ma vie. Parce que des personnes qui t'aiment comme ça, sans rien demander, juste te regarder, c'est waouh. Donc, merci beaucoup. Yasmine Indjigé, depuis, j'attends la vidéo concernant l'annonce de ton chéri président. Tu ne dis rien à ce propos. Je ne suis pas dedans. S'il dit qu'il veut se présenter, il ne veut pas se présenter au mon cher, moi je regarde. Ça, les questions. Amiral Preston, si un de tes fans te croise dans la rue et désirait te saluer avec euphorie, vas-tu considérer la personne ou pas? Tu prends ou pas? Écrivez des salaires ou pas? Tu prendras ta route. Aïe! Moi-même là, souvent je suis avec mes soeurs, on est deux, puis les gens viennent. Ah, Eunice, bonjour, on cause. Mais ça me demande si je connais la personne. Il dit, je ne connais pas. Tu n'as pas besoin de connaître une personne pour être aimable, bien pour être sympathique. Du moment où la personne te reconnaît, que la personne exprime sa joie, pour le simple fait que cette personne t'ait vu, c'est déjà bon. Donc moi, je ne suis pas dans l'affaire des je ne suis pas d'humeur. Non, non. Tu m'as salué, je te réponds cache-cache. Voilà. Et puis c'est tout. C'est la famille. Ce sont des questions. Pourquoi quand je t'en... Il y a Sidiki, Ada Sidiki qui dit, pourquoi moi, quand je t'envoie des messages importants, tu me dis toujours guerrier, faut pas quitter, je te répondrai. Pourtant, je vois rien comme réponse. Et là, je ne fais pas exprès. Oh. J'ai un message automatique, un répondeur automatique. Quand vous envoyez un message, je réponds en même temps. Voilà, je l'ai personnalisé pour vous mettre aussi dans une bêtise. C'est pas là, vous n'allez pas vous ennuyer. Mais je réponds au message comme je peux, je vous le jure. Quand quelqu'un m'envoie un message comme ça,
quand je réponds une fois, le temps de venir répondre encore, il y a au moins 50 ou bien 100 messages en même temps. Donner ton message est parti en bas une fois. C'est pas de ma faute. Je fais ce que je peux. Maintenant, il y a Roseline Indri qui dit: je t'aime bien, très belle, naturelle, sexy, mais je m'aimerais ça. Non, c'est pas je m'aimerais, je n'aimerais savoir. Elle a dit m'aimerais. Savoir pourquoi tu ne réponds pas aux commentaires de tes fans. Comment tu es arrivée là aujourd'hui? Bon, comment je suis arrivée là aujourd'hui? Moi-même là, je ne sais pas comment je me suis levée et puis je suis rentrée dans ça. C'est-à-dire que c'est un matin, je me suis dit, bon, je m'ennuie. Ma vie est un peu bizarre, je traverse une période un peu difficile. Et si je faisais quelque chose pour passer le temps? Je me suis levée et puis j'ai fait une vidéo comme ça, j'ai mis sur mon Facebook. Sur mon compte Facebook, Eunice Zunon. Vous pouvez me suivre là-bas aussi, ça dépend de vous. Et puis, bon, les gens ont regardé. Un peu. Au fur et à mesure, mon ami m'a dit, ah, au lieu de mettre ça sur ton compte Facebook là, il faut mettre ça sur une page. Il dit, mais si il a créé une page là, qui va me regarder, qui a mon temps? Moi, c'est qui? Il dit, non, c'est un peu. Mon ami m'a créé la page que vous voyez, où je suis là, il a créé la page du Nombo. Et puis, j'ai commencé à mettre des vidéos comme ça, un peu. Je me cherchais, quoi. Puis, dans ça, je suis tombée sur une vidéo de Maman Tina Glamour avec une humoriste burkinabé. Il y avait un clash. Et ça m'a donné une idée comme ça, mais attends, elles se parlent sans se voir en même temps. Et si je les confrontais? C'est dans ça, j'ai fait le montage et puis c'est parti. C'est parti de rien. Et puis les gens ont vu la vidéo, ils ont commencé à partager, les gens sont venus s'abonner. Et puis un peu, j'ai continué comme ça avec des vidéos sur Pancho, des vidéos sur Dedi Gouta, j'ai continué des vidéos sur tout le monde jusqu'à ce que je tombe aussi sur Arafat. Parce que j'ai commencé à réfléchir, je dis, même si je m'intéressais à l'actualité, parce que l'actualité intéresse les gens. Donc ça, j'ai vu que Arafat était beaucoup dans l'actualité, ça fait qu'il passait vraiment dans mes vidéos. Et puis c'est parti comme ça, les gens m'ont adopté. Un peu au début, c'était difficile. Elle disait non, je manquais de respect aux gens, vraiment la fille elle est impolie, elle fait quoi comme ça, ça m'insultait. Mais après, les gens ont compris que c'était pas vraiment méchant, c'était pas personnel. C'était juste un truc fun, voilà, pour passer le temps et tout ça. Il y a Tino Sente Joby qui dit: sois humble, c'est tout ce que je te demande, et évite de trop faire la grosse tête, ça ne te va pas du tout. Tino Sente Joby, ça dépend de ce que tu appelles humilité. Parler, chacun a sa définition maintenant. Maintenant, on ne va plus dans le dictionnaire, mais sur Google, parler pour les définitions. Chacun est dans sa tête et puis il imagine les choses. Selon moi, Unisunon, ce que je sais, c'est que je n'ai pas changé, je suis toujours celle que je suis. Voilà. En aucun moment, j'ai essayé d'avoir la grosse tête ou bien prendre les gens de haut. C'est pas ma spécialité. Moi, je suis naturelle dans ce que je fais. Voilà, ce que tu vois là, c'est comment je suis, c'est mon moi, c'est mon comme ça. Voilà. Donc, la partie où tu m'as vu et puis j'ai fait la grosse tête là, vraiment, c'était dans un autre monde. C'est pas où, dans le monde où on est actuellement. Ton affaire de... Il y a Anna Fof, l'enfant noir, qui dit: ton affaire de chaîne au pied là, attends, c'est quoi le projet? Sinon, toujours belle. Moi-même là, je vous jure que chaîne au pied là, il ne sait pas dans quel coup c'est venu sur mon pied. J'étais avec mon ami styliste, voilà, on était assis dans un coin, dans un espace, chez Tanti Alice. Et puis, il a vu des gars qui passaient. Il dit: ah, mais les chaînes là sont jolies. Hein. Ah, Eunice. Si on met ça sur son pied, ça sera joli. Il dit: moi, je n'ai jamais porté chaîne au pied, moi, je n'aime pas. Il dit: mais c'est joli. Il faut essayer, il y a quand même. Et puis, il a acheté. C'est lui qui a acheté pour moi. Il m'a offert. Il m'a fait porter ça. J'ai regardé, c'est joli. Hein. Et puis, bon, c'est resté comme ça sur mon pied. J'ai aimé. Sinon, c'est pas que je veux montrer quelque chose ou bien quoi. Je trouve ça juste fun. C'est pas... Voilà, il n'y a rien de truc. Il y a Pi Blessant Al qui dit: qu'est-ce qui te fait le plus peur dans la vie? Qu'est-ce qui me fait le plus peur dans ma vie? Je sais pas. Eunice,
Attends quoi pour afficher son grand jour, l'élu de son cœur? Il y a Boris Izon qui demande. Eunice attend quoi pour afficher au grand jour l'élu de son cœur? J'attends le jour l'élu de mon cœur va être là pour l'afficher. Moi, je ne suis pas sur les réseaux pour afficher des relations officieuses. Le jour où vous me voyez en train d'afficher quelqu'un, puis il dit c'est mon chéri, c'est que c'est quelque chose d'officiel. Voilà. Je ne mets pas des gens comme ça sur mon Facebook comme ça, non. C'est que c'est officiel. Où je dis vraiment, vraiment, que amusement à pain. Il m'a dit amusement à pain. C'est lui, c'est lui. Si elle fait ça, c'est que c'est vraiment lui, quoi. Et ce n'est pas encore arrivé. Voilà. Ce n'est pas encore arrivé. Quand ça va arriver, vous allez savoir. Vraiment. À qui encore? Antoine Tending qui dit depuis la mort d'Arafat là, il n'y a plus vidéo. Il n'y a plus vidéo. Pourquoi? Nous on aime te voir, surtout avec des bandeaux. Faut le piquer un peu, on va s'enjailler. On va s'enjailler ici là. Antoine, depuis, tu dis depuis la mort d'Arafat, il n'y a pas de vidéo. C'est que tu ne me suis pas. Tu es juste là sur ma page pour me critiquer. Voilà, parce que depuis que Arafat est parti, même pendant les obsèques, je faisais des vidéos. Seulement que je n'apparaissais pas dedans pour le respect. Voilà, de Arafat. Voilà, sinon j'ai toujours fait des vidéos avant, pendant et après son départ. Je fais toujours des vidéos. Si tu me suis, tu vas savoir que je continue de faire des vidéos et puis ça framponne toujours. Ta source de motivation, c'est quoi? Qu'est-ce qui t'empêche d'abandonner même quand tout semble aller mal? Géraldine Muniratu Jumelia Sanou. Ma source de motivation. Et qu'est-ce qui m'empêche d'abandonner? C'est vous-même qui m'empêchez d'abandonner. C'est vous-même qui êtes ma source de motivation. Il est quelle heure? Il est 22h09. Il y a plus de 2000 personnes qui sont en direct actuellement. Ça me motive. Ça me motive à continuer mes vidéos. Quand je vais abandonner, et puis je fais un post, je mets une photo, et puis je vois vos commentaires, je t'aime, je vois les cœurs. Ça me motive. Ça me permet de continuer. Souvent, je suis triste. Souvent, je traverse des moments difficiles. Ou bien, j'ai les loups gourmets. Et puis, je vais sur Facebook, je fais une publication. Moi-même, ça ne me fait pas rire. Hein. Je fais une publication qui doit être drôle, qui doit vous faire rire. Puis, je vois en commentaire, vous riez. Vous mettez des cœurs. Ça me permet de dire, mais pourquoi même y rester triste, mais? Ça me redonne encore de l'essence. Et puis je continue. C'est pourquoi souvent je m'essaie, vous êtes mes psychologues. Vous me donnez la force de continuer. Quand ça ne va pas. Il fait des vidéos ici, là. Souvent, même, souvent il fait des vidéos là. Ce jour-là. Peut-être j'ai pleuré, bien peut-être j'ai pensé à un truc qui m'a fait mal. Je suis triste. Mais quand je fais la vidéo là, la tristesse ne m'habite plus. Si je suis mal, comment ça ne m'habite plus? Mes sentiments ne m'habitent plus. C'est ma vidéo. C'est ça me procure la joie. Et quand je pense que vous êtes là, je dis, mais j'ai abandonné même pourquoi? À cause de qui même moi m'énerver, à cause de qui moi même me fâcher, mais à cause de qui moi je ne vais plus rire. Et mais là, il fait vidéo, il balance, et puis je suis contente. Donc c'est ça, c'est vous-même qui me donnez la force de continuer. Il y a Ahmed Douaoudé qui dit, j'ai remarqué que tu n'es pas à l'aise lors de tes interventions sur le plateau de la 3. Juste une remarque. Ahmed, en fait, non, ce n'est pas que je ne suis pas à l'aise, je suis très à l'aise. Seulement, comme c'est un débat, il faut laisser la possibilité aux autres de s'exprimer. Sinon, si je veux parler pour tout le monde, si je veux dire ma bouche pointue là, je peux parler, hein, mais ça va faire taire tout le monde, ce n'est pas bien. On dit un débat. Chacun a préparé un peu. Chacun vient un peu avec son idée. Chacun veut parler. Mais si tu viens, tu fermes les autres. C'est être un peu égoïste. Donc, je me calme. Je regarde les autres parler un peu. Quand j'ai la parole un peu, je parle. Faut pas se marcher dessus. Sinon, si on parle tous en même temps, vous n'allez pas pouvoir nous suivre. C'est tout. Sinon, c'est pas que je suis timide ou bien quoi. Non. Rien du tout.
Moi, il y a Jamila tout Sanogo qui dit, moi, je ne t'ai jamais rencontré, mais on dit quand tes fans te voient dans la rue, qu'ils veulent t'approcher ou veulent un selfie, tu fais foutaise. Si c'est avéré, je veux bien savoir pourquoi cette réaction. C'est faux, jamais de la vie. Moi, quelqu'un est venu vers moi, une, je vais prendre photo, puis j'ai brisé la personne, mais j'ai frustré la personne, jamais. Quelle que soit mon humeur, quelle que soit mais tout, quelque chose que je traverse, quand quelqu'un me dit, Eunice, on dit quoi, ça va? Mon sourire est là, je suis contente de voir des personnes qui m'aiment. En même temps, si c'est photo, si c'est album, si c'est, on va faire là. Même si c'est vidéo, on va faire et puis on va se laisser. Jamais. Ces personnes qui disent ça, la veulent seulement se jouer les intéressants. Sinon, ce n'est pas la vérité. Il y a Malik Chaboté qui dit, Eunice, apprend à parler du français soutenu et essaie de gracier les mots. C'est tout ça le rôle d'une chroniqueuse. Moi là, je ne suis pas allée à la toile parler son français soutenu. Il y a, comment on appelle, il y a Annie qui parle français soutenu. Il y a Eunice Dago, il y a Marie-Dominique, il y a Hervé, il y a Yann. Eux, ils sont là pour vous parler français soutenu. Moi, Eunice, mon rôle sur le plateau de la toile, c'est de parler comme le peuple, comme on s'exprime en nous, si en esprit, genre on est ouvert et puis on parle terre à terre. Là. Moi, c'est mon travail. Mon travail, c'est d'être terre à terre sur le plateau. C'est pas parler gros français. On m'a pas appelé là pour parler gros français. On m'a appelé là pour dire, ah, Eunice, la mère, tu parles, puis là, tu regardes là. Tu parles de manière naturelle là. C'est ce qu'il faut faire. Donc, c'est pour ça que je suis là-bas. Ne vous attendez pas à ce qu'il n'ait pas dit. Au fait, aujourd'hui, le philosophe, je ne suis pas dans ça, là-bas, là. C'est l'égaillement, c'est comment eux, machin. Il y a toi, un kit là-bas, mais voilà. C'est mon naturel qu'on recherche là-bas. Voilà, naturel et puis le jargon, voilà. Pour que ceux aussi qui ne parlent pas français soutenu, là, puissent comprendre ce qu'on dit. Voilà. Il y a tout ça, c'est pourquoi moi, je suis là. Il y a quelques questions encore. Il y a beaucoup de commentaires, mais des questions. Diara fils. Toi, depuis que je t'ai dit que je suis fond de toi en inbox, là, tu m'as répondu. Je t'ai pas répondu parce que sûrement je n'ai pas vu. Sinon, si je vois que je peux répondre, je réponds. Amado Sebo, est-ce que tu peux abandonner tes noms pour être ma chérie? Ça dépend. Je regarde et cherche. Siri qui Diara, te fâche pas. Hein? Qui est mon rival actuellement? Siri qui Diara, tu n'as pas de rival parce que je ne suis pas en couple. Je cherche, je regarde dans les commentaires, je regarde en fait. Hey, les mêmes questions reviennent, hein, avec qui tu es en couple. Je ne suis pas en couple. Je regarde. Y a Watt Conso qui dit, comment tu fais tes collages vidéo? Comment je fais mes collages vidéo? Je vous explique. Je me réveille le matin, je vais sur les réseaux, je vois l'actualité. Qui fait le buzz, l'actualité qui dérange les gens, qui intéresse les gens. Je regarde et puis c'est une vidéo, je vois un peu de quoi ça parle. Si c'est une personne, ça concerne une personne, je vais sur la page de la personne, je regarde les différents directs. Je télécharge beaucoup de directs de cette personne, je regarde un peu ce dont on parle actuellement, comment les gens réagissent aux commentaires, les réactions des gens. Je fais souvent un post sur ma page pour voir ce que les gens veulent savoir réellement de cette histoire. En fonction de ça, je regarde la vidéo, je fais les découpages
de ce que je vois, voilà. Et puis en même temps que je fais les découpages, j'ai des réponses, mais des questions qui me viennent en même temps. Donc, en fonction de mes questions, en fonction de mes réponses, je fais le découpage. Et puis le matin, quand je me lève, je tourne. C'est-à-dire, moi-même, je me filme, je dépose mon portable en face de moi, je m'assois et puis je parle. Peut-être je dis, bonjour, hein. Quand je viens de dire bonjour, là, je coupe. Si j'ai un autre concours, oui, hein, je suis là, hein. Quand je finis ça, je coupe. Au fur et à mesure, pour me faciliter le travail, comme ça, ou l'autre a dit bonjour, je prends l'autre, je place, et puis ça, voilà, ça fait un mélange, et puis ça donne ce que vous voyez, un bon cocktail. Donc, je télécharge plusieurs directs, je regarde tous les directs, et puis je sélectionne ce qui m'intéresse. Il y a Ruto Tetia qui dit, pourquoi avez-vous choisi ce métier? Et j'aimerais savoir si, à part l'humour, vous avez un autre travail. Rutetia Zokobadi. Je n'ai pas choisi d'être humoriste. C'est l'humour qui m'a choisi. Je n'ai pas demandé à être humoriste. C'est le Seigneur qui m'a envoyé dedans. Et bizarrement, j'aime. Donc, je suis dedans. Si, à part l'humour, je fais un autre travail. Je travaille à la 3. Je suis consultant dans l'émission polémique qui passe du lundi au vendredi de 13h30 à 14h30. Voilà. Et puis à part ça aussi, je poursuis mes études. Comment vous avez fait pour en arriver là? J'ai déjà répondu à la question. Je regarde encore. Je regarde encore. Bon, qui est vraiment ton fiancé? Je ne suis pas fiancée. Aboubacar Ouédraogo, es-tu mariée? Je ne suis pas mariée. Qui? Ousmane, c'est les garçons là. Hein? Qui est ton copain fiancé ou mari? Je n'ai pas de copain, ni de fiancé, ni de mari. Je regarde les commentaires, je regarde. Excusez-moi, je cherche les commentaires, les trucs là. Ce sont les mêmes questions qui reviennent donc. Bon, je pense que ici c'est fini. Hein. Maintenant, je vais regarder. Ici c'est fini. Hein. Regardez, je suis au dernier comme ça. Ce n'est pas vraiment des questions. Hein. Ce sont des messages gentils. Je ne vais pas vous faire subir ça. Donc, on va continuer ici pendant 5 minutes comme ça. Voilà, pour ne pas être ennuyeuse. 5 minutes comme ça, je vais lire ici. Les questions qui vont s'afficher, puis je vais répondre parce que ici c'est fini. Voilà, c'est important. Je vais faire ça chaque 2 semaines. Voilà, pour qu'on se parle et puis on se dise les baies. Je regarde les commentaires. Avec ce boulot, je pense que tu reçois les menaces de ce que tu parles. Non, on ne dit pas ce que tu parles. Voilà. Bon, ok, si je reçois des menaces. Non, non, je ne reçois pas de menaces. Je ne reçois pas de menaces. Au début, c'était un peu compliqué. Il y a des personnes qui se plaignaient. Ah, c'est là quelque chose contre moi, ou bien il y a quoi et tout ça. Mais après, ils ont compris que ce n'était pas méchant. Parce que je n'essayais jamais de rentrer en confrontation avec eux en discours, ou bien faire des palabres, non. J'essayais tout le temps de les mettre à l'aise, voilà. Donc ils ont compris que la petite fille là même, ces conneries là, et puis bon, et même ça les amuse après. Ah, faut partager mon lien, ah, faut faire ça pour moi. Hein. Ils disent, mais c'est comment, mais tu me vois pas ou bien, faut m'attacher un peu. Et puis bon, c'est devenu comme ça la famille, on en rit. Ouais, et puis c'est tout. Voilà, s'il y a quelque chose, peut-être c'est du côté des femmes là, parce que les femmes, vous connaissez, femmes n'aiment pas femmes, femmes est un peu bizarre.
Voilà, on prend un peu les choses trop à cœur, mais je me dis qu'avec le temps, ça va passer. Je n'en veux pas aux femmes qui trouvent que j'exagère ou bien quoi. Ça va passer. Ainushulova, c'est la coiffure de Rafna, je t'ai dit. Il a fait même coiffure que Rafna, seulement que pour moi, là, c'est perruque. C'est perruque. Franck, Francky, Franco, Eunice, dis-moi ta dot vaut combien? Je suis prêt à prendre avance sur héritage pour toi. Voilà. Franck, je t'aime aussi. Maman, mais c'est pas dot là même là. Normalement, ce sont les parents qui définissent, c'est pas l'enfant. Touré Siaka, pourquoi tu aimes attacher mon artiste de Bordeaux même? J'aime attacher des bordeaux parce que je l'aime beaucoup. Il me fait beaucoup rire. Et quand je fais des vidéos sur des bordeaux, je prends plaisir à faire des vidéos. Ça m'amuse, ça me soigne moi-même. Voilà, parce que je trouve que c'est quelqu'un qui est très amusant. Anna Okra, tu es de quelle origine? Je suis Bété Gouro, je suis Bété de Sapia, à l'entrée de Daloa. Diabaté Mohamed Barou. Eunice, pour toi, l'homme parfait, c'est qui? L'homme parfait pour moi? Tchè, bizarre, hein? Moi, un homme qui me respecte et puis qui me fait rire, tchè, ça passe, hein? Si c'est toujours toi que j'arrive à rire, je suis épanouie, j'ai la folie. On rit ensemble, tu me respectes. Je pense que ça peut aller. Voilà, il cherche un gars immature. Les gars trop matures, là, c'est un peu ennuyant à un moment. Donc, je cherche un gars immature. Je suis immature, pas un immature. Voilà, j'aime beaucoup m'amuser, c'est tout. Quelle position tu prends en cas de menace? Daryl. Ouh, le commentaire la passe. Oh. Ouh. Je peux pas ogner. Je change direct, je change direct, je change direct. Jérôme n'est pas là, il est sorti. Faut fermer. Stéphanie n'est pas là. Sylvain Honoré, je ne te reconnais pas par ta façon de parler. Ah, vous dites de parler français soutenu, vous ne me reconnaissez pas. Il fait nuit, je suis fatiguée, je fais ce que je peux. Merci beaucoup. Cette question, il attend comme ça, hein. 5 minutes au moins. On est déjà dans les 5 minutes. Hein. Bic Rouge, le chinois noir. C'est quel nom ça là? Tu es déjà en contact avec ton complice qui gère ta page maintenant? Quel complice? Je ne vois pas de quoi tu parles. Je gère, moi-même, c'est moi qui gère ma page. Mais souvent, quand je suis trop occupée, c'est mon manager qui gère. Voilà, c'est pas toujours que je suis là. Souvent, il y a mon manager qui fait des posts pour moi ou bien qui répond souvent. Sinon, normalement, c'est moi qui gère. Il y a Boubacar Kone qui nous demande, lorsque tu fais une vidéo sur quelqu'un, est-ce que tu demandes l'avis de la personne? Non. Je ne demande jamais l'avis d'une personne pour faire une vidéo sur elle. Parce que je trouve, je n'ai pas. Pourquoi aller demander la permission à quelqu'un pour faire une vidéo? Tant que tu intéresses quelqu'un, je me dis que tu dois t'attendre à ça. Tu intéresses quelqu'un, moi je fais une vidéo sur toi. J'ai déjà lancé ma politique. Ma politique, c'est ça. Tant que tu intéresses, tant que tu fais le buzz, moi, ça ne ment pas. Tu vas forcément passer sur ma page. Donc je me dis maintenant que les gens sont habitués à ça. Ils se disent, ah, j'ai fait direct et on parle de moi. Ça, c'est qu'ils disent, on va parler de moi là-bas. Hein. Et puis bon, ça roule. Ton fil est doux de la maison, ma ton fil est doux même. Ton fil est doux. Il y a Dame Bénine qui dit, Eunice, ne change pas ton teint.
Tu as un beau teint. Merci beaucoup, c'est gentil. Le jour où vous me voyez, et puis on dit, ah, Eunice a essayé de prendre pommade là. Pardonnez. Appelez tous les pasteurs que vous connaissez, donc à me délivrer. Bien que le jour là, je suis envoûté. Ou bien on m'a bassi avec quelque chose. Non, au grand jamais, une telle idée peut traverser mon esprit. Il y a Mariko Fatoumata qui me demande, est-ce que tu es chrétienne? Oui, je suis chrétienne. Je suis chrétienne, je suis évangélique. Mais je respecte la religion de tout un chacun. Il y a JP qui demande, JP ma Congo, mais pourquoi tu n'as ni copain, ni fiancé, ni mari? Je n'ai ni copain, ni fiancé, ni mari parce que je n'ai ni copain, ni fiancé, ni mari. Ça arrive. J'ai été en couple avec quelqu'un, la personne m'a déçu. Voilà. J'ai essayé de faire confiance à quelqu'un. La personne m'a déçu. Donc, moi, je ne sors pas dans les trucs comme ça pour aller me jeter dans d'autres trucs. Donc, je suis là, je me concentre sur mon travail et puis bon, si ça vient après, on ne sait jamais. Mais je suis là quoi. Je suis pas renfermée pour dire, ah, quand on m'a fait ça là, aujourd'hui, à ce moment, je ne parle plus à un garçon, non, c'est pas ça. Je suis là, j'observe. Il y a quoi encore oh? Thalès, fils Bambi, NK, je suis amoureux de toi. Je t'aime aussi. Il y a Nelly Kakou qui demande, qu'est-ce que tu attends de nous? Ce que moi j'attends de vous. Ce que moi j'attends de vous, c'est tout ce que moi je veux. C'est votre soutien. C'est votre soutien, votre amour. Parce que je suis une femme. Mais je suis une personne qui a besoin d'amour. J'aime l'amour. J'aime sentir qu'on m'aime. Ça me fait du bien. Ça me fait me sentir libre. Donc, tout ce que je veux, c'est votre amour. J'ai besoin de votre amour. Quand vous voyez Eunice là, ah, Eunice veut qu'on l'aime. Eunice a besoin de notre amour. C'est tout. Eunice, je t'aime. Eunice, tant. J'ai besoin de votre soutien et de votre amour. Mais surtout, de votre respect. Parce que j'essaie de faire tout ce que je peux pour ne pas heurter la sensibilité de chacun ici. Vraiment, si je pouvais avoir ça en retour, ça allait être, voilà, être trop top. Voilà. C'est tout. Votre amour, votre respect, votre soutien. C'est tout. Jean, non. On a quand même dit, ah, Eunice. Jean, quand il va dans un spectacle, et puis il dit, ah, est-ce que les guerriers sont là? On dit, wow. Ça fait plaisir. C'est tout. C'est votre soutien, votre présence. Voilà. Sentir que vous êtes là, quoi. Vous êtes derrière moi. Bic rouge, les Chinois noirs, j'ai compris, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a plus de questions. Ruth Elodie, elle dit, et ta caméra que Jonathan Morrison t'a promis, tu l'as reçue. Eh, me voici ici. Jonathan ne m'a pas encore envoyé caméra. Rien du tout, même pas encore envoyé message encore pour me dire quelque chose. Caméra que Morrison me doit, là, il n'a pas encore payé. La dernière fois, j'ai fait vidéo, elle est venue mettre en commentaire que comme je vais faire vidéo, il va m'aider. Je ne sais pas si c'était pour me narguer ou bien. En tant moi-même là, j'ai besoin de caméra. Donc j'ai dit, ah, ça tombe bien, vraiment, merci beaucoup. Depuis là, je ne le vois pas. J'ai l'impression que les gens pensent que quand ils vont dire, ah, Eunice n'a rien, Eunice même, elle n'a rien, elle est pauvre ou bien Eunice, elle est là, même là, c'est une petite fille, c'est une quoi, ça me fait mal, ça me fait pas mal. Au contraire, moi, peut-être que si vous dites que je n'ai pas, vous allez me donner. Moi, je sais ce que je suis, je sais ce que j'ai. C'est ça ce que je vois, bien d'où je viens. Il y a des choses qui ne me choquent pas. Au contraire, ça me fait rire. Si vous dites la vérité sur moi, dites, ah, c'est ça qui est là-haut. Moi-même, j'ai besoin de caméra. Voilà, faut pas essayer de se jouer les gens. Il me suffit trop, alors que c'est bizarre là. Moi, je ne suis pas dedans. Donc, depuis la Maurice, elle n'a pas encore envoyé caméra là. C'est lui, j'attends comme ça. Il n'a qu'à envoyer ma caméra. Bémol, boum.
Tu es très jolie, j'aimerais bien t'épouser. Ah ça, merci. Eunice, Lionel, là, tu étais avec lui, vraiment, mon ami m'agace avec cette histoire ici. Diabaté Mohamed Barou, je n'étais pas avec Lionel, je ne suis pas avec Lionel, je ne serai pas avec Lionel. Lionel, c'est mon ami, c'est tout. C'est mon asso jazz. Boris Zon. Comment ça va-t-il? Popolos Montana. Je dors la nuit aussi. Aujourd'hui, j'ai décidé de causer un peu avec vous. Depuis que moi, j'ai fait page du nombre, je n'ai jamais fait ce genre de direct-là. Jamais de ma vie. C'est ma première fois. J'ai décidé de voir un peu comment on peut causer. C'est intéressant. Après, je vois les commentaires qu'on a ici, on dit. Voilà, vous me regardez, on parle. Il y a Karine Animel qui me demande pourquoi je n'ai pas posté l'affiche de Ividero. Je n'ai pas posté son affiche parce que je n'avais pas envie de poster tout court. Voilà, moi je force pas les choses. J'avais pas envie de poster, donc j'ai décidé de ne pas poster. Voilà, je vois des affiches souvent. Ah, il y a un événement ici. Si je pense que l'événement me plaît ou bien ça m'accroche. Si je ressens le besoin de poster, je poste. Ça vient au feeling, c'est naturel. Voilà, quand je ne veux pas faire quelque chose, je ne fais pas. Sinon, il n'y a rien. Sinon, il n'y a rien du tout. Moi, je ne mets pas les affiches des gens ici parce qu'ils me demandent forcément, mais parce que je veux atteindre quelque chose de non. Je mets les affiches pour mon plaisir. J'aime la personne, je veux faire, donc je fais. Je ne fais pas parce que je veux que la personne pense que je l'aime, mais je ne fais pas parce que je veux que la personne fasse quelque chose, moi, non. Je le fais de bon cœur. Donc, quand je n'ai pas envie de faire quelque chose, je ne fais pas. Rien du tout. In pay de gars, il n'y a pas de souci. Sorry. Tu me demandes qui est mon modèle Abidjan ici. Mon modèle. C'est compliqué, hein? Je sais pas. Je veux te marier, je fais comment? Si tu veux me marier, il faut appeler le 07 48 89 59. C'est le numéro de mon manager. Le manager, je parle avec lui, il va me faire la commission et puis on va analyser le dossier. Oh, Odba, c'est parti. Oh, il y a Bertin qui dit de ne pas abuser du maquillage. Après le maquillage, à mon moment, je ne comprends pas. À la télé, là, même si je pouvais partir sans me maquiller, même là. Souvent, mais à les cérémonies, si je pouvais partir sans me maquiller, même. Mais maintenant, là, c'est devenu une étape. C'est devenu un truc que tu dois remplir forcément. C'est compliqué. Sinon, c'est pas que j'aime trop me maquiller, c'est pas ça. Mais souvent, c'est. Je sais pas comment je vais expliquer ça. Nous, les femmes, elles comprennent. Elles comprennent. En fait, juste un peu, voilà, juste pour faire genre. Zafirin Ingesan Akafou. Tu as quel âge, Jeunesse? Il dit, il faut attendre quand on va mettre mon nom sur. On fait ma biographie aussi sur Google là. Tu vas voir ça là-bas. Moi, depuis, je vous dis mon âge, vous dites que c'est pas mon vrai âge. De venir dire encore, vous allez parler. Je parle plus. Richard le riche. Et si moi-même je t'envoie une caméra? Ah, Richard, si tu m'envoies une caméra, je prends. Hein. C'est bienvenu même. Ça va m'aider. Parce qu'actuellement, je veux faire une autre émission. Et j'ai besoin de caméra. Donc, tu me donnes une caméra, je prends.
Donc, pour Richard, si tu veux me donner une caméra, tu contactes le 07 48 89 49. Voilà. J'ai ma caméra là-bas. Tu vas voir ce qu'il a fait la caméra. Toi-même, là, tu seras fin. Eh, on dit quoi, bon? Oh. Ça passe vite, hein, puis ça revient plus. Pas de réécrire au. Oh. Phoebe Blest, Tiakato, tu n'as pas perdu ton temps. Aïe, j'ai fait le direct là, c'est pour vous, c'est pas pour moi. C'est pour vous, c'est pour moi. C'est pour nous deux, c'est pour les deux parties. C'est pas que je veux vous faire perdre le temps. Il y a des personnes qui viennent, il y a des personnes qui partent, il y a des personnes qui reviennent. Bon. Voilà, peut-être que vous avez déjà parlé, vous avez déjà écrit, j'ai déjà répondu, vous partez, d'autres personnes vont venir. J'ai jusqu'à 600 000 abonnés sur ma page. Donc chacun va venir regarder, chacun va partir, chacun va se faire sa propre opinion. Dosso Moussa, merci beaucoup, c'est gentil. Narcisse Yao, normalement, entre comédiennes, vous devez vous soutenir. Oui, normalement, entre comédiennes, on doit se soutenir. C'est normal, c'est normal. Mais si je ne veux pas, je ne fais pas. Voilà, c'est tout. Sinon, je soutiens. Hein. Tout le monde sait que moi, je soutiens tout le monde ici. Je soutiens Brice, je soutiens Le Magnifique, je soutiens Agalawal, je soutiens Ange Reddy, je soutiens ça, c'est quoi ça encore? Je soutiens tout le monde qui a des événements, même des événements qui ne sont pas humour, mais qui a les concerts, des Bordeaux, Mix, Baby Philippe, comment on appelle ça encore, même, je soutiens tout le monde. Mais si je ne veux pas, je ne fais pas. C'était un peu ça, j'ai vu un peu les commentaires, ce sont les mêmes questions qui reviennent. Donc, je vais pas m'éterniser ici. Bon, je vais faire un truc. Je vais recevoir un appel en direct. La personne qui m'appelle en direct, maintenant, je décroche. Vous pouvez m'appeler en direct. La personne qui m'appelle en direct, maintenant, je prends l'appel en direct. On va parler en direct. Je crois qu'on peut appeler, non? Appel vidéo en direct. Donc, je prends un appel en direct, donc j'attends. Je prends un appel en direct. Si quelqu'un appelle, je décroche. On peut appeler, non? Je vais prendre appel ici. Si quelqu'un. Yaya Roxane, je veux te voir danser. Je ne sais pas danser, tu veux me voir danser. Je suis comédienne humoriste. Souvent, quand je danse, c'est pour vous faire rire, mais tiens, là, j'ai trop fait. Dexter Hamilton First. Merci beaucoup, c'est gentil. Bon, je ne vois pas d'appel, hein. Ou bien on ne peut pas appeler. Tu viens quand en Guinée? Je viens en Guinée le jour où on va m'inviter. Mais je vois pas les. Je vois pas d'appel. Bon, ok. En même temps, je vais profiter pour lancer un message. Le 4 avril, au Palais de la Culture, il y a ambassadeur Agalawal qui fait son one-man show. Au Palais de la Culture, le 4 avril. Voilà, je pense que les tickets sont déjà disponibles dans les points de vente habituels. Attends, avant ça, le 3 avril, il y a Ange Freddy, que vous connaissez, le fou là. Ange Freddy qui fait son one-man show à l'Institut français le 3 avril. Donc, le 3 avril, il y a Ange Freddy qui se produit sur scène. Et le 4 avril, il y a ambassadeur Agalawal qui se produit sur scène. Ange Freddy, Institut français, Agalawal, Palais de la Culture. Voilà. Est-ce que moi je peux appeler en direct? Est-ce que moi je peux appeler en direct? Répondez-moi, est-ce que je peux appeler? Je vais prendre quelqu'un en même temps à appeler comme ça. Voilà. Donc, bientôt, je vais commencer à faire des émissions que je vais enregistrer pour poster sur ma chaîne YouTube. Voilà.
C'est des émissions, peut-être des interviews, parler avec des personnalités qui vous intéressent. Voilà. Vous allez aujourd'hui poser une question. Ah, vous voulez que je vous rencontre qui? Vous me dites le nom, je me débrouille comme je peux pour rencontrer la personne et puis vous ramener des réponses. Voilà. C'est un truc comme ça que je vais lancer bientôt. Et comme j'ai dit là, voilà. C'est avec caméra là que je vais travailler. Donc, Maurice, une fois, envoyer ma caméra. Je peux appeler, je sais pas comment on fait pour appeler en direct. Dites-moi, Stony, tu viens d'arriver là. Faut mettre en commentaire comment on fait pour appeler en direct. Je n'ai jamais fait ça. Je veux appeler en direct. Je sais pas comment on fait. Et quand j'appelle, je fais comme ça là-haut. Que je peux, mais ça sort pas. Non, je sais pas comment on fait. Appeler, je sais pas comment. Oh, bon, je sais pas comment je vais appeler en direct. Ou bien, Stony, faut appeler. Je vais voir comment on fait. Faut appeler. Essaie d'appeler en direct, s'il te plaît, Stony. Phoebe Blaise, si tu me demandes, si tu demandes à voir VG Dream, viens me débrouiller pour trouver VG Dream. Et puis, viens poser les questions que toi tu veux. Il faut me dire que tu veux voir VG Dream sur moi. Dis-moi ce que tu veux voir. Moi, je vais trouver la personne. Et on dit les directs Facebook sont supprimés ou... Ah. Évariste Richard, voilà. Donc en même temps, je voulais vous dire, pour toute prestation humoristique, c'est-à-dire un brin d'humour à toutes vos soirées, à tous vos événements, vous appelez toujours le 07 48 89. Non, 07 48 89 49. Le 07 48 89 49 pour toutes les personnes qui désirent me voir dans leurs événements. Prestations humoristiques comme chant. Il a chanté 300, mais pas encore. On ne me connaît pas encore, mais ça va venir. Il a persévéré, ça va venir. Donc, c'est ça. Pour tout placement de produit aussi, pour toute publicité, voilà. Je suis la personne qu'il vous faut, vous pouvez appeler. Vous pouvez appeler le numéro de mon manager, vous allez gérer ça. Et à côté de ça, je vous informe encore, même si vous êtes déjà informé, je lance encore l'appel. Je dis, vous pouvez me suivre à la télé, la 3, du lundi au vendredi, en direct de 13h30 à 14h30. Du lundi au vendredi, 13h30, 14h30, sur la 3. Sur le bouquet Canal, c'est le numéro 99. Sur le bouquet, sur Star Times, c'est 740, le numéro 740. Et puis sur TNT, c'est numéro 3. Donc, merci de m'aimer. Je dois activer la caméra. Merci de m'aimer. Voilà. Comment je dois activer la caméra? Je ne sais pas comment on fait où. Je ne sais pas comment on fait pour faire appel là-haut. Peut-être la prochaine fois, je vais faire l'appel. Donc, c'était moi, mes amours de guerrier. Merci beaucoup, mes amours de guerrier. Voilà, n'abandonnez jamais. Voilà, persévérez dans tout ce que vous voulez entreprendre. Voilà. Parce qu'il ne s'agit pas de commencer, mais de terminer, d'aller jusqu'au bout. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, je vous souhaite vraiment la santé, le bonheur surtout, l'amour dans votre vie parce que l'amour, c'est magnifique. Souvent, je m'énerve et puis j'écris ici. Non, l'amour, c'est bien, mais le travail d'abord. Tu peux travailler et puis il n'y a pas l'amour, c'est pas intéressant. Donc, cultivez toujours l'amour autour de vous. Quand je dis l'amour, pas forcément être en couple, hein. Avoir l'amour de son prochain autour, ça. Ça libère, ça libère. Donc, aimez-vous, cultivez l'amour, donnez de l'amour à tout le monde autour de vous. Vous allez voir que vous allez progresser naturellement, vous allez avancer naturellement. Vous aurez une paix intérieure, ne dit pas son nom. Voilà. Donc, sous le malheur que je peux vous souhaiter, c'est la santé, l'amour et puis le succès dans vos différents domaines d'activité. Je vous aime, je vous adore.
Je suis mal fan de vous. On s'échappe demain, non? 13h30, 14h30. Abdoul So, si tu peux m'appeler, faut appeler. Voici mon nounous. Je vous présente mon nounous. Il s'appelle Nounou. Il s'appelle Nounou. Il s'appelle Nounou. Mon nounous s'appelle Nounou. Et vous salue aussi. Je suis un gros bébé dans l'âme. Vous ne pouvez pas comprendre. Je suis un bébé même dans l'âme. Même ça qu'elle est là. Ouais, Douba Nounous. Voilà. Nounou vous dit bonne nuit. Voilà. Moi aussi, je vous dis bonne nuit. Voilà. Voilà. Bisous.